Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo review. Alors ça va être une review un peu particulière puisque je vais pas vous faire quelque chose de traditionnel puisqu'il s'agit de mon nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc j'étais impatient de vous le présenter et je prends sur moi pour vous faire cette vidéo parce que je suis absent de la chaîne depuis quelques jours. Tout simplement parce que j'ai mon ventre qui fait des siennes de nouveau, voilà. Donc pour les habitués, je ne vous explique pas ce que je vis à l'heure actuelle. Ça me fatigue, je vous jure, j'en ai marre de ce ventre. Si quelqu'un a des intestins en bon état de marche, d'occasion, hein, pas forcément neuf, hein, mais qui fonctionne bien, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux vous payer par PayPal, par chèque, ce que vous voulez. Bref, je suis à la recherche d'intestins valides. Bon, allez, ça c'était histoire de vous faire rire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouvel oracle que j'ai reçu? Parce que je suis sûr que certains qui ne seraient pas abonnés à mes comptes comme Instagram et Facebook, du coup, auraient loupé l'information, malgré que je vous l'ai mis dans l'onglet communauté de la chaîne. Donc, je vous explique, il y a quelques mois en arrière, très exactement, c'était au mois d'avril quand j'ai changé mon téléphone. Je voulais en fait un téléphone, parce que mon téléphone, bon, vous en foutez complètement de ce que je vais vous dire, et vous avez bien raison, mais ça compte un petit peu dans ce que je... dans la création de l'oracle. En fait, mon téléphone, celui que j'avais, c'était un Sony qui commençait à avoir quelques années et qui commençait à déconner sévère. Et comme j'avais des primes, des remises, etc., du coup, je me suis rendu dans ma boutique et puis j'ai demandé à changer de téléphone. Et là, j'ai flashé sur un téléphone, je suis revenu à mes premiers amours, à savoir Samsung. J'ai toujours été un pro Samsung et je sais pas pourquoi je suis parti chez Sony, mais bon, bref, on fait tous des erreurs. Non, c'est je suis méchant de dire ça parce que c'était des bons téléphones de chez Sony que j'avais. Donc bref, on s'en fiche encore une fois. Et j'avais en plus une remise intéressante sur une protection, une housse du téléphone, et qui était en fait, j'avais 100 euros de bon d'achat et la coque coûtait 100 euros. Je me suis dit, bah tu vas te faire plaisir parce que du coup la coque elle te revient à 0 euros en gros. Et dedans était inclus un stylet. Et ça faisait un moment en fait que j'hésitais à investir dans une tablette graphique pour réaliser mes oracles. Parce que comme vous le savez, je dessine tous mes oracles à la main sur des feuilles de papier, qu'ensuite je scanne et ensuite je mets toutes mes images en format PNG pour ensuite les coloriser, pour ensuite les assembler. Bref, c'est un vrai bazar. Je vous ai prévu un jour aussi une vidéo sur comment réaliser un oracle. Alors peut-être pas là, parce que comme vous le savez, je suis en plein déménagement et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu absent de ma chaîne, parce que il faut aussi que j'avance les cartons et j'ai vraiment pas beaucoup de temps parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps aussi. Voilà. Et du coup, donc j'hésitais à investir dans une tablette graphique et quand j'ai vu ce téléphone qui était quand même un grand format, je vais vous montrer hein, le téléphone du coup que j'ai pris, c'est le Samsung Galaxy S21 Pro Ultra, bref, c'est un nom à rallonge quoi. Et le téléphone est extrêmement cher, hein. Je vous cache pas qu'il est extrêmement cher et si j'ai pu le prendre, c'est parce que j'avais vraiment beaucoup de remises et que le téléphone m'a coûté quasiment rien du tout en fait, voilà. Et dessus, il y a une application, donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une application que j'ai découverte complètement par hasard qui s'appelle Ibis Paint X. Alors regardez, je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ça, Ibis Paint X. C'est une application qui est gratuite que vous pouvez trouver sur Android et vous avez l'option aussi de pouvoir l'acheter en premium pour pouvoir bénéficier de tous les outils. Et honnêtement, l'application en plus avec le petit stylet du téléphone, ça m'a permis de pouvoir réaliser des dessins qui sont vraiment superbes. Donc je m'étais amusé comme ça à créer 2-3 petits dessins vite fait. Et puis plus je faisais des dessins et plus je me disais, ce serait pas mal ça en oracle quand même. Et puis voilà.
Et on en vient enfin à l'oracle définitif, puisque j'avais commencé des esquisses et puis je m'étais arrêté à 21 cartes, parce que, bah, je sais pas, plus d'inspiration, ou plus le temps, ou alors je pense à autre chose, j'en sais rien. Puis vous savez, j'ai eu le travail aussi entre temps, donc voilà. Et puis là, quand j'ai voulu m'y remettre, bah, l'inspiration venait toujours pas. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe, est-ce que il faut que tu t'arrêtes à 21 arcanes? En plus, faites exprès, il y a 21 arcanes arcanes dans le tarot aussi, les arcanes majeurs. Donc est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes simplement à 21? Mais du coup, 21 cartes pour un oracle, c'est quand même très maigre. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un concept d'oracle qui serait un petit peu original, qui changerait, et quelque chose qui serait pas trop vu. Et du coup, naturellement m'est venue en fait l'idée d'utiliser les chakras. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être une super idée de faire des combinaisons avec les chakras, c'est-à-dire proposer 7 cartes avec les 7 chakras, et en fonction des chakras, eh bien, une même carte n'aura pas la même définition et la même signification que si elle est pour un autre chakra. Et du coup, nous avons 7 chakras et 21 arcanes majeures, ce qui fait que nous pouvons avoir 147 combinaisons possibles juste avec ces cartes. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est parfait. Je vais pas m'amuser à créer 147 cartes. Il est quand même plus facile d'en créer 21 et les 7 chakras. Et comme ça, on va pouvoir faire les combinaisons comme on veut. Alors, cet oracle, je l'ai intitulé l'oracle des photos karmiques. Pourquoi les photos karmiques? Parce que vous allez le voir. En fait, j'ai voulu... Alors... Ne soyez pas surpris, c'est un style très différent de ce que je fais d'habitude, vraiment. Faut même savoir que c'est moi qui l'ai fait, parce que bah, je l'ai reçu aujourd'hui et j'avoue que je suis très fier de moi, parce que ça rend, c'est mieux que ce que j'imaginais, parce que bah, moi j'avais juste les images comme ça, et le fait d'avoir le jeu entre les mains, ça fait pas pareil. Pourquoi donc les photos karmiques? Parce que vous allez le voir, en fait, le format des cartes, regardez un petit peu, j'ai voulu faire quelque chose qui fasse un peu comme un polaroid. Vous savez, les photos polaroid, avec ce contour blanc et puis on a une épaisseur en bas. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose comme ça pour pouvoir mettre le message ensuite en dessous, comme si vraiment c'était une photo qui avait été prise et quelqu'un qui avait écrit le souvenir de la photo dessus. Alors, cet oracle, comment est-ce qu'il va se constituer? Tout d'abord, donc je vous rappelle qu'il est disponible sur la boutique déjà depuis un petit moment, hein, parce qu'au moment où je l'ai posté, enfin au moment où je l'ai mis sur MPC, MPC a dû mettre, je crois, un jour à peine pour me valider et pour le mettre sur la boutique. Donc il est déjà disponible s'il vous intéresse. Dedans, vous allez trouver... deux cartes où je vous explique rapidement le concept de l'oracle, etc., les chakras, etc. Comme ça, ça fait office de guidebook. En plus, je vous ai pas mis de guidebook parce que tout est écrit sur les cartes. Donc, je trouve complètement absurde de vous faire un livre qui va venir tout simplement répéter le message de la carte. Voilà. Vous avez en prime, je vous ai mis deux fleurs de vie que je vous ai faites aussi, bah, moi-même avec l'application. Donc deux fleurs de vie que je vous ai faites, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Soit vous pouvez l'utiliser pour faire un joker par exemple dans le jeu si vous voulez. Soit vous pouvez les utiliser à part, en mettre une par exemple sur votre hôtel pour recharger vos pierres. Ou alors que vous portez avec vous comme gris-gris. Que vous mettez dans votre portefeuille. Bref, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Comme d'habitude, pour ceux qui connaissent mes jeux, on est sur la même qualité de cartes, à savoir le haut de gamme. À chaque fois, je prends les trucs les mieux pour avoir des cartes de bonne qualité. La finition, c'est la même finition que le Joracle. Je sais pas pourquoi en ce moment, j'en ai marre du gloss. Donc du coup, je fais plus de trucs en gloss. Et le Joracle, vous savez, j'ai fait cette finition un peu satinée qui fait légèrement toucher peau de pêche. Mais vraiment légèrement. Et du coup, j'ai mis la même finition aussi sur ce jeu-là. Regardez le dos des cartes. J'ai voulu quelque chose de très sobre, de très épuré, quelque chose qui soit coloré. C'est un jeu qui est résolument tourné guidance. Voilà, guidance, travail personnel. Vous pourriez faire aussi du prédictif avec, mais honnêtement, c'est pas comme ça que je l'ai composé, le jeu. Et puis, avec 21 arcanes, pour faire du prédictif, ça va quand même être un petit peu compliqué. Hein. Vous allez vite revenir sur des mêmes combinaisons. Donc, personnellement, je vous recommande pas de faire du prédictif avec. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Là, on va vraiment être sur... Alors, plutôt du travail perso que réellement de la guidance.
Guidance, vous pourriez faire de la guidance mais avec un autre jeu. Parce que le jeu en lui tout seul, honnêtement, pour faire de la guidance, ça va être un petit peu short. Voilà. Après, vous pouvez. Mais c'est vraiment pour faire du travail psychologique pour le coup. Donc du coup, j'ai voulu faire un oracle qui soit très lumineux. Vous allez le voir. Je vous l'ai dit, hein, ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Et même moi, je suis étonné parce que bah, le rendu, il est top. Enfin, non, je suis fier de moi. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, tout d'abord, vous allez retrouver les 7 chakras. Donc, je vous ai mis des codes couleurs pour les 7 chakras, bien évidemment, du chakra racine au chakra sacré, en passant par le plexus solaire, la gorge, la vision du troisième œil, le coronal. Et je vous ai mis, en plus, pour que ce soit facile, donc je vous ai mis ici l'image du chakra et je vous ai mis avec, en un verbe, en quoi résume ce chakra. Donc, par exemple, pour le chakra racine, on va être sur « je suis ». Et là, je vous ai mis un petit texte qui va vous dire par exemple: je me rattache à la terre, j'assure ma survie, ma sécurité, j'ai de la force, je suis stable et sans peur, je suis en lien avec ma famille. Comme ça, pour ceux qui ne maîtrisent pas les chakras mais qui voudraient les apprendre, je vous ai tout synthétisé sur les cartes. Donc vous avez le code couleur, vous avez le symbole de la carte. Je vous ai pas mis les noms hindous des chakras parce que les noms hindous ils peuvent être un petit peu compliqués à prononcer ou à lire, ou donc je me suis pas amusé. Je pense que n'importe qui connaît quand même les chakras de base, hein. Si je vous dis le chakra rouge sans savoir que c'est le chakra racine, vous savez que le chakra rouge c'est celui qui est en bas. Si je vous dis le violet, vous savez que c'est celui qui est en haut. Enfin, vous voyez, c'est même si vous connaissez pas, même si vous n'êtes pas un expert dans les chakras, vous en connaissez quand même un petit peu. Donc là, vous allez tout retrouver à chaque fois, la description de tous les chakras sur toutes les cartes. Hop, attendez, pardon. Peut-être faire comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Et donc le but, ça va être tout simplement, vous allez diviser le jeu en deux, vous allez prendre la partie des chakras et vous allez prendre la partie de l'oracle, vous allez diviser et vous allez piocher un chakra parmi les 7. Et en fonction de ce que vous allez tirer, là après vous allez tirer 1, 2, voire 3 cartes maximum pour faire votre interprétation. Et attention, les cartes devront être interprétées selon le chakra. Donc si par exemple, je vais d'abord vous montrer les cartes et je vous montrerai comment procéder. Alors, on va passer à la partie oracle, ce sera plus simple. Donc pour la première, la voici avec le soleil, la lune. Je me suis vraiment éclaté à faire cet oracle parce que sur cette application là, de celle que je vous ai dit, il y a une possibilité d'outils et de choses qu'on peut faire qui sont vraiment géniales. Et c'est grâce du coup à cette application que j'ai pu faire tout ce que vous voyez là, tous les dessins, j'ai pu tout réaliser. C'est vraiment, je vous la recommande, c'est une super application si vous aimez dessiner, même si vous savez pas dessiner, vous pouvez toujours bricoler sur l'application et faire des trucs qui sont pas mal. Ça c'est le trou noir pour ceux qui auraient pas reconnu, voilà, c'est un trou noir. Là nous avons... J'étais obligé de mettre une carte de démon. Ne m'en voulez pas les amis, mais vous savez ma connexion à cet univers, donc j'étais obligé de mettre... Je vous rassure, c'est la seule carte la plus sombre et la plus terrifiante, mais c'est voulu, c'est parfaitement voulu. Là nous avons une petite bougie. Vraiment, je vous dis, je me suis éclaté à faire les dessins, quoi. C'est, on a une possibilité qui est incroyable. Là, nous avons la plage. Ici, nous avons la vague. Alors, comme vous pouvez le voir, les cartes sont résolument tournées vers les éléments, vers la nature et vers l'univers. Là aussi, c'est complètement voulu. Vous le savez qu'en ce moment, je suis en train de vivre quelque chose de particulier et j'ai besoin de me reconnecter à la nature. J'ai besoin de revenir à mes racines et à mes origines. Donc, j'ai voulu un oracle qui est une extension de moi, encore une fois, qui est une extension de ce que j'aime, et surtout vous inviter aussi vous-même à vous reconnecter avec les choses vraies de la vie, à savoir le temps, les éléments, notre terre, l'univers, tout ça, ce sont les choses vraies de la vie.
Celle-ci, c'est la plus colorée, c'est la plus belle de toutes les cartes. Enfin, elles sont toutes belles, honnêtement, elles sont toutes belles. Mais celle-ci, ça correspondrait un peu à la carte bleue dans le Béline, ou alors la carte l'Arcane du Monde dans le Tarot. C'est vraiment la carte la plus positive du jeu. Autant le démon, vous l'aurez compris, c'est la carte la plus négative, et autant le pentacle avec l'arc-en-ciel, c'est la carte la plus positive. Regardez celle-ci, je me suis éclaté à faire ce brasier. Tellement, Cédric avait tellement adoré cette carte, il l'avait même mis en fond d'écran son téléphone. Il est fou. Là, nous avons le volcan en éruption. Ici, nous avons les fleurs de Sakura. Et enfin, le carrefour. Voilà donc pour les 21 arcanes du jeu. Et donc, comme je vous l'expliquais, tout simplement, vous allez tirer un chakra. Et en fonction du chakra, eh bien, chaque carte n'aura pas la même signification. Alors, si par exemple, vous prenez la carte du chakra racine, et puis vous prenez la carte du carrefour avec, eh bien là, on va vous inviter tout simplement à faire un choix, à réfléchir à une décision que vous devez prendre dans votre domaine professionnel, dans votre domaine familial, vraiment tout ce qui va toucher à votre ancrage, à vos racines, à vos origines. Donc ça pourrait nous parler de prise de décision, ça pourrait nous parler de nouvelles opportunités, ça pourrait nous parler d'une nouvelle carrière. Bref, ça peut vraiment parler de plein de choses. Par contre, vous tirez ce même carrefour, mais avec une autre carte. Imaginons, tiens, avec le chakra de la gorge, qui nous dit je parle. Eh bien ici, on vous dirait, avec la même carte, on va vous dire, eh bien ici, tu dois, pareil, tu es face à une prise de conscience, à un choix à faire. Est-ce que tu dois dire la vérité ou pas? Est-ce que tu dois écouter telle personne ou telle personne? Voyez, c'est vraiment le chakra qui va définir l'interprétation de la carte. C'est pour ça que je vous dis qu'on arrive à 147 combinaisons possibles, puisque pour un chakra, vous aurez à chaque fois les 21 arcanes, et vous faites ça pour les 7 chakras. Donc vous calculez 21 fois 7 chakras, on arrive à 147 combinaisons. Ce qui fait qu'avec un simple jeu comme ça, on arrive quand même à quelque chose d'assez sympathique. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, Jojo, est-ce que tu peux nous faire un tirage? Oui les amis, on va se faire un tirage, je vais vous faire un exemple avec, un exemple très concret. Donc là, je vous invite tout simplement à vous vider la tête, à vous vider l'esprit, ne pensez à rien, laissez-vous porter par les énergies, puisque pour le coup, eh bien, c'est vraiment les cartes qui vont décider de qu'est-ce qu'on va travailler, du message que l'on va recevoir, tout simplement. Donc, détendez-vous, respirez profondément, soufflez. Et nous allons définir le chakra à travailler. Alors, on va prendre celui-ci. Ah, c'est le chakra sacré, le deuxième, qui nous dit j'ai du plaisir. Et je vais vous lire le texte. La vie est belle, elle mérite d'être vécue. Je redonne du goût à ma vie. Vive la vie, j'aime la vie, je suis créateur. Et je crois que ça, c'est un chakra qui... Je crois que c'est celui qui est le plus impacté au vu de la situation actuelle, ce que l'on vit depuis presque 2 ans maintenant. Peu importe qu'on soit français ou à l'étranger, puisqu'on est tous logés à la même enseigne, on a du mal à trouver la vie belle. Et effectivement, c'est plus que justifié, on a droit à rien faire. Bref. Donc c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, notre vie, comme enfin nos vies sont compliquées, on prend plus de plaisir à rien, on est lassé de tout, on est fatigué, on est énervé, on a du mal à éprouver du bonheur, du plaisir dans ce qu'on fait. Même si on fait des choses qu'on aime, comme par exemple des pique-niques, des sorties, voir ses amis, sa famille, des choses comme ça, ou même son travail, c'est des choses que l'on aime, mais je sais pas vous, personnellement, je parle dans mon cas, j'ai du mal à prendre du plaisir dans les choses que je fais, comme si j'arrivais pas à profiter pleinement. Comme si j'arrivais pas à me mettre dedans, comme si, ouais, comme si mon cœur en fait était fermé, comme si j'arrivais plus à prendre du plaisir. Et ça, c'est vraiment un problème qui est lié au chakra sacré. Donc ça, c'est le deuxième, et c'est celui-ci que l'on va travailler ici, les amis. Alors, on va se prendre maintenant une petite carte pour venir définir le message et pour voir éventuellement. Alors, l'oracle, il a pour but soit de vous fournir des éléments de réponse, soit une piste de réflexion, soit mettre carrément le doigt là où ça fait mal, le point, oui aussi, oui. C'est juste, c'est plus gros, quoi, le point par rapport au doigt. Allez, on va s'en prendre une, et nous avons soit ambitieux en voyant grand et plus loin. Alors là, pour le coup, et c'est drôle parce que juste au-dessus, on a laisse-toi porter par les flots de la vie.
Alors pour le coup, là, l'ensemble des deux cartes se marie tellement bien, puisqu'effectivement, là, ce dont on a du mal, en fait, là, pour prendre du plaisir à l'heure actuelle, c'est qu'on vit dans l'instant T, on vit dans le présent. Et on a du mal, en fait, à se projeter. Et effectivement, c'est quand même compliqué de se projeter, puisqu'à chaque fois, on nous reparle de futures vagues, bah, c'est le cas de le dire, d'une troisième vague, d'une quatrième, d'une 58e, etc., etc. Donc on a du mal, en fait, à se projeter. Et là, tout simplement, regardez un petit peu la carte. La carte, on peut voir qu'il y a plusieurs montagnes. Et on ne vous invite pas à regarder le premier palier ou même le deuxième. Non, on vous invite à regarder vraiment à l'horizon. Même si c'est difficile, on ne vous demande pas de vous projeter, puisque très clairement, il est difficile de se projeter vers cet horizon. Mais en revanche, il est possible de pouvoir le regarder et de se fixer comme objectif et comme but cet horizon-là en se disant, voilà, je veux aller tout droit et je veux aller ici. Voilà. C'est exactement ça ce qu'on vous invite à faire, c'est de voir plus loin, de voir plus grand. Pour retrouver tout simplement votre plaisir et pour de nouveau aimer la vie, eh bien regardez plus loin, regardez plus grand. Ne vous arrêtez pas à ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle. Et c'est vrai que si par exemple vous venez de perdre votre travail à cause de vous savez quoi, etc. Si vous êtes dans des galères, dans des situations, si vous êtes en deuil, si vous avez peur de l'avenir, eh bien pour moi, ici, l'avenir, c'est ça là, c'est les premières montagnes, voilà. Et on vous demande pas de regarder ici, parce qu'effectivement, en plus, regardez la carte, j'ai fait exprès de faire une forêt qui est très dense, où on a peu de visibilité. Ensuite, la deuxième montagne, on a un petit peu plus de visibilité, la troisième encore plus, et la quatrième, tout est carrément dégagé. Eh bien, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. C'est que justement, si on s'arrête sur les premiers paliers, notre vision est troublée et on ne peut pas se projeter, on ne peut pas voir plus loin. Il faut d'une part que vous preniez de la hauteur pour que vous ayez une meilleure visibilité de ce qui arrive. Et si vous voulez pouvoir retrouver cette forme de bonheur, eh bien, tout simplement, apprenez à vous élever, à prendre un petit peu plus de hauteur pour voir ce qui est plus loin, pour voir ce qui est dégagé, pour pouvoir ensuite vous projeter et vous dire que oui, l'avenir est radieux, l'avenir est rassurant dans le temps. Essayez non pas de vous projeter, mais de visualiser ce que vous pourriez obtenir dans le temps. Et c'est ça qui va vous permettre de tenir. Fixez-vous en gros des objectifs et regardez l'horizon. Ne regardez pas ce qu'il y a devant vous, mais regardez l'horizon. Voilà donc mes chers amis. Pour la review des photos karmiques, j'espère que ce jeu vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, il est disponible sur la boutique MPC. Alors je vous le dis les amis, j'ai mis ni pochon. Je sais pas si j'ai mis une boîte blanche, j'en sais rien. Parce que vraiment, ce que j'ai voulu en fait avec ce jeu, c'est que peu importe pour le coup que vous ayez des petites mains, des grandes mains, parce que regardez quand même au total, si vous enlevez les deux fleurs de vie, que vous enlevez les deux cartes explicatives, ça vous fait que 28 cartes et honnêtement, ça se tient largement. Et ce que je veux en fait avec ce jeu, c'est qu'il soit vraiment votre allié, qu'il soit près de vous tout le temps. C'est-à-dire, utilisez-le vraiment quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez l'utiliser par exemple par jour, soit vous tirez juste un chakra et vous travaillez le chakra, soit vous tirez une carte de l'oracle que vous travaillez dans la journée, ça peut être votre carte du jour, soit vous tirez et un chakra et une carte de l'oracle en même temps et vous travaillez sur le message. Vous pouvez vous le faire sur la semaine, vous pouvez vous le faire au mois. Vraiment, c'est un jeu qui se veut, que j'ai voulu, entre guillemets, ludique, dans le sens où, voilà, on va vraiment essayer de travailler. Parce que ça aussi, souvent j'entends parler des chakras, etc. Mais quand je vois plein de personnes qui parlent des chakras sans vraiment connaître ce que c'est, parce que les chakras ça s'improvise pas, ça fait partie quand même des sciences, entre guillemets, des sciences hindouistes. Et comme toute science, il faut un certain domaine de maîtrise. Et pour comprendre les chakras, pour les maîtriser, il faut déjà comprendre ce qui cloche dans notre vie. Parce que les chakras ont souvent une relation de cause à effet. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un chakra qui soit déréglé pour que le domaine en question soit déréglé. Mais inversement, le domaine en question qui peut être déréglé va venir dérégler le chakra qui fonctionnait à peu près bien. Et un chakra, le problème, c'est que même si vous n'en avez qu'un qui déconne, ça va faire déconner tous les autres, puisque le but des chakras, c'est qu'ils soient tous alignés, comme une colonne vertébrale. Si vous avez une vertèbre qui est tordue, c'est toute la colonne vertébrale du coup qui est tordue, et ça va créer des maux de partout sur votre corps. Donc il faut jamais
jamais sous-estimer le pouvoir en fait d'un chakra lorsqu'il est déréglé, parce qu'il peut dérégler absolument tout le reste de votre corps, tout le reste de votre vie, et avoir des problèmes aussi, déclencher des problèmes de santé, déclencher des problèmes physiques. Mais ça sera l'objet d'une vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça mieux en détail. Allez, sur ce, je vous embrasse fort les amis, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos, prenez bien soin de vous.